shirt, now red my blood, you know sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. You're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend my type, might seduce your dad type. I'm the bad guy, duh. Even if you know that you don't own me, I'll let you play the role. I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the man I know. You're a tough guy, like you're really rough guy. Just didn't get enough guy, always a buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend my type, not to use your dad type. I'm the bad guy, duh. Moi c'est Fred. Moi c'est Vincent, je fais de la guitare. Moi c'est Théo, je fais la basse. Moi c'est Pascal, je suis au synthé. Et moi c'est Phil, je suis batteur. Solace, ça veut dire réconfort en anglais. C'est ma mère qui a trouvé. Petit clin d'œil à maman, parce que ça représentait bien un peu l'univers du groupe. La musique est réconfortante pour nous et on l'espère pour ceux qui nous écoutent. La musique de Soleil, c'est un mélange de plein de choses, parce qu'on a tous en fait un peu des backgrounds différents, des influences différentes, aussi bien dans l'éducation musicale que juste dans ce qu'on écoute un peu tous les jours. Un côté jazz, un côté funk, un côté pop évidemment, puisque c'est principalement là-dessus qu'on travaille. Et je pense qu'on est proche de trouver vraiment notre son, et justement ce qui va créer vraiment un vrai mélange, une osmose en fait, avec de tous ces mélanges. C'est vraiment très éclectique, ça peut aller de la pop à la Gush, à la Phoenix, un peu des univers soul, hip-hop du genre Anderson .Paak, avec quelques éléments un peu jazz ou classique, voilà. Par exemple du Ravel ou du Satie en classique, c'est un peu les formations qu'on a, quoi. On a sorti deux EP, le tout premier qui s'appelle Home et le deuxième qui s'appelle Time. Vincent et moi, on était dans le même lycée. Pas la même année, mais on avait des potes en commun et qui nous ont amenés à faire de la musique ensemble. Et donc de là, on a commencé. Après, on a rencontré Phil, qui est un ami d'amis. Après, Pascal nous a rejoint. Pascal, c'était en quelle année ? Ouais, 2014. Et Théo, qui nous a rejoint. En 2017. En 2017, c'est ça. Au cours des années, ouais, on a fait pas mal de scènes, puisque étant donné que le groupe existe depuis 2010, du coup, on a fait un peu le tour de la région parisienne, en fait. C'est aussi le projet cette année et pour les années à venir de sortir un peu de la région parisienne. C'est ouais, des opportunités, des fois on nous a envoyé des mails ou de connaissance en connaissance, on sait qu'il y a des plans à gauche à droite. Des fois tout simplement en envoyant des mails aux salles, ils nous répondent, ils aiment bien le projet et ils nous bookent sur des dates en fait.
Comme disait Fred, on cherche à sortir un peu de la région parisienne et puis surtout se concentrer aussi sur la musique. On a pas mal de nouvelles productions pour l'année prochaine aussi et ça nous permettra de nous soulager sur cette partie booking. Moi j'ai Famille. Famille, ce qui me viendrait à l'esprit, c'est peut-être un morceau que j'écoutais petit avec ma mère, s'appelle Bittersweet Symphony de The Verve. Moi j'ai Nuit, c'est de Mogwai, Super Heroes of BMX, si je me trompe pas. Donc moi j'ai eu Pote, la première idée qui me vient en tête, c'est l'album Antidote de False, parce qu'on se faisait vraiment des soirées à l'époque, il y a 5 ans à peu près, des grosses soirées avec les potes sur ce son, voilà, sur cet album en fait, Antidote. Piscine, moi ça me fait penser à un live de Puggy, où ils étaient au bord d'une piscine et ils étaient les trois en mode acoustique et ça groovait bien quoi. Moi j'ai le mot festival, du coup ça me fait penser au groupe Asian Dub Foundation, qui est le premier gros groupe que j'ai vu en festival. Soliday, c'était il y a 16 ans maintenant, ça redonte. Et c'est après ce concert où je me suis dit mais c'est absolument génial la scène, il faut que je fasse ça de ma vie. Donc voilà. Du coup, l'objet, c'est une cassette. Et elle est liée, en fait, à notre prochain single qui s'appelle Woman. Cette cassette, en fait, ça fait référence un peu aux années 80, parce que le clip et le son, il y a vraiment des influences années 80. On utilisait des claviers un peu du genre Juno, etc., pour nous rappeler vraiment cette époque-là. Parce qu'on voulait un son à la fois rétro et moderne en même temps. Moi c'est échafaudage, toujours le mot, mon mot c'est échafaudage. Moi c'est kilt. Merci. Tout simplement. Bah love. Basse. Merci SMT pour cette session, c'était vraiment très cool. Et nous c'est Soleil. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube. C'est Soleil CFR. I'm the bad guy, duh.